Même si le monde meurt, c'est d'abord que le monde ne meurt pas au plateau. C'est 8 jeunes acteurs et actrices extraordinaires qui viennent célébrer la vie. Alors, même si le monde meurt, c'est une commande d'écriture que j'ai passée à l'écrivain Laurent Godet, où je lui ai proposé d'écrire pour les 8 jeunes acteurs et actrices de l'Atelier Cité, qui est donc l'atelier au Théâtre de Toulouse, qui continue à former des jeunes acteurs et à les faire rentrer dans leur vie professionnelle. Alors moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de travailler sur la question de la fin, et ce faisant de nos propres commencements aussi. Et Laurent avait déjà depuis longtemps dans ses tiroirs une sorte de dystopie inachevée sur la fin du monde. Ce récit, il débute presque dans un climat de crise. Le spectateur va retrouver 8 personnes qui viennent de se voir annoncer que cette fin du monde va avoir lieu, elle n'est pas discutable, elle va se réaliser. Et donc on va suivre leur parcours face à cette annonce. Comment est-ce qu'ils réagissent? Certains vont avoir justement ces pulsions de désir, vont avoir envie de mordre la vie et de l'avaler. D'autres, au contraire, vont avoir envie de laisser libre cours à des pulsions qu'ils n'auraient pas pu réaliser dans un autre temps. Et on va se retrouver face à cette femme qui, elle, porte la vie, sait que si le monde meurt, elle ne connaîtra pas son enfant, va accélérer le temps, va se rendre magique. Et donc, on va découvrir ce jeune homme, le pressé de vivre, qui, lui, va devoir vivre dans un temps très court, le temps qui lui reste, et va devoir vivre toute une vie en très peu de temps. Le spectateur ne va pas savoir quelles sont les causes de cette fin du monde. C'est pas du tout le sujet qu'on a envie de traiter. Il est invité à ce vertige-là. Il est invité à cette course contre la montre et à lui-même à se poser la question de, au fond, si j'étais face à cette situation, et ça peut tous nous arriver un jour dans nos vies, comment je réagirais? Le spectacle, il est construit un peu en forme de théâtre-récit. On va entendre les figures parler et témoigner de ce qu'elles vivent. C'est vrai que ce qui peut qualifier mon esthétique en tant que metteur en scène ou ma recherche esthétique, c'est d'essayer d'imaginer des plateaux que je qualifie d'indisciplinés plutôt que de pluridisciplinaires. Très souvent dans mes spectacles se mêlent le jeu, l'oralité du théâtre tel qu'on la connaît, mais aussi la musique de création, la vidéo, le corps. Et puis il y a la scénographie d'Amélie Villians, la vidéo de Benoît Lahoze, qui donne un contrepoint poétique à ce récit-là et qui invite aussi le spectateur à plonger dans un imaginaire qui peut être va plus loin que le spectacle. Il y a la création sonore de Johan Cambon qui a imaginé vraiment un univers aussi très sensitif, très sensoriel. Et puis, évidemment, les acteurs ne sont pas des chanteurs, mais il y aura quand même de la place pour le chant et notamment pour un chant d'élévation qui nous vient de la liturgie orthodoxe et qui relie un petit peu toutes ces figures qui sont des figures de la mère, du pressé de vivre, de la femme barre de fer, du médecin, de celui qui casse, celui qui violente, celui qui aime, celui qui embrasse. Et toutes ces figures font un personnage monde qui constitue le spectacle.